Après son match nul 0-0 contre Lorient à Gerland, l'Olympique Lyonnais a envie de lancer enfin sa saison avec sa première victoire. Titularisation pour la première fois de Mathieu Valbuena dans l'entrejeu lyonnais. Grenier et Jallet sont eux absents et toujours pas de Mapou Yangam Biwa, tout juste arrivé au club. Il n'est toujours pas qualifié. Des Lyonnais qui rentrent le mieux dans la partie avec cette première opportunité. Ballon bloqué par Samassa sur cette tentative de Nabil Fekir. La réponse guingampaise avec un ballon sortant. La reprise de la tête de Mustapha Diallo, la parade d'Anthony Lopez. Le ballon qui vient toucher le poteau. Très belle opportunité pour les Guingampais. Mais le gardien international portugais était bien placé et réussit le geste qu'il faut pour empêcher la balle d'entrer dans le but. La goal line technologie en vigueur en France depuis le début de la saison confirme que le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne. Nouvelle opportunité lyonnaise avec ce coup franc de Nabil Fekir. Ça n'est pas cadré et ça se précise pour Lyon. Valbuena essaye d'être influent sur le jeu de sa nouvelle équipe. Sans succès pour l'instant, 0-0 à la mi-temps. Guingamp aussi a des absents dans son équipe. Le seul, le gardien habituellement titulaire, Mathis, qui n'est pas là non plus. Mais les Guingampais font bonne figure. En seconde période, l'OL insiste. Encore Fekir au coup franc. Toujours Mamadou Samassa pour dévier la balle. Cette fois-ci, elle était cadrée. Mais le gardien malien fait le geste qu'il faut. Guingamp a perdu dans les dernières secondes du match à Nantes sur le score de 1-0 lors de la première journée. Le premier point de la saison n'est peut-être pas loin, mais attention à cette erreur en défense. Et Claudio Beauvu surgit pour ouvrir le score. Entré quelques minutes auparavant à la place d'Alexandre Lacazette, Beauvu s'excuse presque auprès de ses anciens supporters de ce but. Il ne veut pas le célébrer et pourtant, ce but a la plus grande importance. C'est l'ouverture du score à la 79e minute et le premier but de Claudio Beauvu en championnat sous les couleurs lyonnaises. Guingamp a encore une chance avec Jimmy Briand et peut-être la situation inverse. Un ancien lyonnais contre l'OL pour marquer. Briand qui vient d'être recruté par en avant Guingamp. C'est lui qui se procure la première de cette double occasion. Jimmy Briand lancé dans la profondeur qui bute sur Anthony Lopez. Puis une deuxième frappe sauvée par Bisevac quasiment sur la ligne. Énorme double situation de but pour en avant Guingamp mais ça ne passe pas. Lyon résiste jusqu'au bout et s'impose 1-0 sur le terrain de Guingamp.